Bonsoir. Décidément, Gretsch n'en finit plus de rééditer son glorieux passé et de nous proposer des guitares toujours plus excitantes, fabriquées avec une technologie moderne, donc avec forcément un niveau de qualité beaucoup plus constant et beaucoup plus acceptable pour le guitariste actuel que les modèles vintage qui sont réputés pour leur côté capricieux, et c'est diplomatique de le dire. Et voici donc, parmi les nouveautés les plus excitantes, une magnifique Duojet Single Cut, donc type années 50, en Cadillac Green, avec les Dynasonic version TV Jones, donc des micros simples mais avec un bon niveau de sortie, un Bixby, et puis surtout le armrest ici, qui est purement décoratif évidemment, mais surtout qui est très joli et qui donne immédiatement du chrome en plus. Du chrome en plus, ça n'est jamais une mauvaise chose, surtout quand en plus il est doré comme ça. C'est une vraie guitare de rockabilleux ou de rocker, mais qui veut se faire absolument remarquer. Et puis donc, pour l'amener dans le côté rockabilleux à fond, on a sorti notre Space Echo, le RE201 de chez Roland, un écho à bande légendaire dans le milieu rockabilly, et on s'est amusé avec tout ça.